Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur la fabrication d'un bureau. Tout ce qui est structure sera constitué de panneaux agglomérés et plaqués chaîne de face. Et le reste, tout ce qui est façade, cadre et façade de tiroir sera en chaîne massif. Tout le débit des panneaux est effectué à la scie plongeante et à la scie à format. Ici, je monte une lame arénée de 8 mm sur la scie. C'est une lame prévue pour la toupie, ce qui va me permettre d'effectuer la rainure pour les derrières en une seule passe. Les deux caissons qui se trouvent sur les bords seront assemblés avec des dominos et la partie centrale sera assemblée avec des vis puisque tout sera caché. Je passe ensuite au collage. Mise en place des derrières dans leur rainure. Ensuite, j'assemble la partie centrale avec des vis. Maintenant, je passe à un pré-montage de la structure pour pouvoir travailler sur le plateau.
Bon, comme le bureau va faire 3 mètres et que les plaques en sortie d'usine font 2 mètres 30, je suis obligé de rabouter une partie à l'aide de dominos. Maintenant, je trace deux petites courbes pour pouvoir défoncer mon plateau, qu'il soit moins profond, sur l'espace du milieu. Donc, une fois tracé, j'ai découpé la ligne droite à la scie plongeante et les deux courbes à la scie sauteuse. Et je vais retoucher le tout à la fleureuse avec une fraise à copier. Là, j'ai pu visser mon gabarit en dessous du plateau car je vais recharger tout le pourtour du plateau s'il est trop fin là. Comme ça, il fait 18 mm donc je vais le doubler. Une fois mon gabarit fixé, je vais passer à l'affleurage de mon plateau. Bon, comme je le disais précédemment, j'ai doublé le plateau sur tout le tour. Et pour cacher mon joint de raccordement de plateau, je vais faire deux défonces en plein travers et incruster un bois exotique ou alors un bois clair, un frêne, je sais pas encore. Bon voilà, on arrive déjà à la fin de la première partie de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné. À bientôt.